Où il est sexy, lui. Si j'étais un homme... Ah, j'aime bien. Ouais, le look trench trois quarts, là, avec le pantalon de costume. Ah, si j'étais un homme... Tu seras capitaine. Oui, bah non. Non, si j'étais un homme, je me disais que je serais très branchée Richelieu. Vous savez, c'est celle avec le lassage dit fermé. Je les trouve hyper élégantes. Je porterais ça avec un petit pantalon de costume, fité, un pull col roulé noir, je trouve ça hyper sexy, avec un manteau un peu oversize, dans un beau drap de laine, assez long. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je ferai attention aux détails qui tuent quand même. Les chaussettes dépareillées ou les chaussettes de sport, si si, je sais que ça arrive. En même temps, une belle paire de mocassins, c'est canon aussi. Je les porterai les chevilles nues, je trouve ça assez sexy, ça alourdit pas la silhouette, avec un jean slim, plutôt brut, ni trop déchiré, délavé, un peu retroussé sur la cheville, et une belle veste de blazer sur un t-shirt blanc, impeccable. Par contre, j'éviterai vraiment avec une paire de mocassins le jean trop large, mal ajusté, au risque de ressembler un peu à Papini. Ah, des bottines sinon. Ah, c'est sexy les bottines. Bon, j'ai choisi à bourron, un peu effilé pour affiner le pied. Bon, pas bout carré évidemment, parce que sinon la police du goût risque de débarquer à tout instant. Je les porterai avec un petit jean slim, un pull doudou, col roulé. Tiens, mettons un petit peu de couleur, peut-être un peu vert sapin. Et puis avec une belle veste de blazer avec un petit twist avec des boutons de marin par exemple. Salut toi. Ouais, si j'étais un homme, je mettrais les Richelieu pour aller bosser, c'est hyper élégant, c'est assez classique. Les bottines un petit peu plus branchées, pour un côté plus sexy. Et je me garderais les mocassins twistés avec le jean à revers pour le week-end, pour aller danser. Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine. Quel bel organe. Merci.